Il manque du matériel, mais tu peux choisir n'importe quelle carte. Je vais t'allumer un peu la lumière. Allez, vas-y. N'importe laquelle, hein. Anyone, anywhere. Oh, celle-là, allez, vas-y. Tu la signes. Tu peux la voir, c'est pas ouais, grave. Ouais, c'est pas grave, allez. C'est pas grave. Maintenant que j'ai vu... Regarde ce qu'on va faire. Je vais chercher d'abord un truc, bouge pas. Je vais mettre une vitre. Alors c'est préparation, tu vois, je dis qu'il nous manquait du matériel. Je mets une vitre, parce que tu veux examiner s'il n'y a pas un passage secret ou un éléphant caché. Non, non. Alors, je mets ça ici, avec un élastique. Ça te va? Allez. Nickel. Alors je vais tirer les petites pattes ici, parce que des fois ça ne tient pas. Ouais, bon, ça va, je le tiens encore. Et ta carte, elle est encore un peu bombée. Tu la mets comme ça n'importe où. Tiens, je regarde pas. Tu fermes. Jusque-là, tout va bien. Et tu peux même faire un petit mélange à l'américaine si tu veux. Oui. Donc perdu. Tu vas juste te reculer un petit peu. Tu vas prendre le jeu. Tu vas le couper en deux, tiens. Et tu vas prendre la partie que tu veux. Ok ? Tu recules légèrement. Je vais te montrer ce qu'il faut faire. Tu vas éventailler le jeu comme ça. D'accord ? Ouais. Tiens, je vais le tenir. Tu vas te concentrer et à 3, tu vas jeter contre la vitre. Je te montre et après tu le fais. Donc tu fais ça, 1, 2 et tu jettes tout au milieu. Mais comme je te dis, si je tiens pas, ça va tomber. Donc je vais tenir l'objet. À 3, tu vises 1, 2, 3. Une carte. Une seule. Ah, bravo. Qui entre deux vitres. Contre la vitre. Contre la vitre. Mais dès que je te le dis, mais tu vises bien, si tu peux viser là, ici au milieu. Allez. Pas en haut, pas en bas, au milieu. Attends, je tiens. À 3. 1, 2, 3. Une carte. Une seule. Entre deux vitres. Ça fait mal. Ça, c'est fort. Et c'est ta carte. Bravo. T'attends. Vas-y, ça démonte. Ça, c'est du bon, ça. Alors? Regarde, t'as kiffé. Quoi? Mais il y a un problème. C'est parfait, ça. Tu connaissais pas, ça? Donc, pour pouvoir récupérer la carte, éventuellement, tu peux faire ça, ça, enlever ça, et dedans, à l'intérieur, une carte. Tac. T'attends. Bravo. Tu connaissais pas? Non, c'est énorme. Moi j'adore parce que c'est là une petite grande illusion faite à la maison. Pourtant quand tu l'as lancé, tu peux tout donner, examiner, ouais, bravo. Ouais. Essaye de rentrer une carte. Ah, franchement c'est beau, pour moi je pense que pour un spectateur tu massacres. Vas-y, essaie de rentrer une carte là-dedans. Je rigole pas, autrement je bouge avec la caméra. Tu veux pas la rentrer, ça rentre pas. Non, mais même, c'est terrible. Je m'en bien fait. Un truc voilà. Qu'avait fait David Copperfield. Ah ouais. Moi j'adore. Tu veux voir ça? Eh oui, mais je n'avais pas fait encore la vidéo. Combien ça a coûté? Ah, 70 €, je ne sais plus. Ah ouais? Ouais, ouais. Regarde. Maintenant, j'ai jeté partout. Hein. Je déconne. C'est bon ça, déconne pas, Canol. Eh oui, c'est bon. Non, tu fais ça, mais tu vois, regarde, je vais te dire, tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. Non, mais arrête de filmer, hein, c'est bon. Je suis à l'Europère, là, s'il faut. J'ai fait le truc à Saint-Valentin. Tu vois les tours que tu fais, il y en a beaucoup que tu élimines parce que tu peux pas tous les faire. De table à table, ici et là, donc la billard, la carte, tu as des tours phares que tu fais qui marquent vraiment les gens. Mais il n'y a pas de tours comme ça, tu vois. Ça, tu peux le faire à table pour faire participer, c'est rigolo. Ouais, tout à fait. Parce que là, je suis allé, il y avait un fond de musique, je pouvais pas faire la carte pensée parce qu'il y avait trop de bruit. Tu vois ce que je veux dire? Tu arrives, tu fais journal à l'eau, journal déchiré. Oui, mais c'est sûr, c'est un tour de salon aussi. En plus, c'est là un endroit où il y a du bruit, c'est encore plus parfait.